Du suspense sur la tenue de la conférence d'entente nationale au Mali prévue pour ce lundi. Les principales factions touareg, parties prenantes de ce dialogue, menacent de boycotter les pourparlers destinés à ramener la paix et la réconciliation dans le nord du pays. Les groupes armés, toutes tendances confondues, partisans du boycott, ont expliqué que la conférence n'était pas assez inclusive. En revanche, les tractations sont toujours en cours à Bamako pour que toutes les parties s'asseyent autour de la table. La conférence d'entente nationale est prévue par l'accord d'Alger de 2015. Elle était destinée à tirer un trait sur un conflit qui a opposé les Touaregs nomades dans le nord contre le gouvernement dans le sud. Mais la mise en œuvre de l'accord a été retardée par l'éclatement des groupes Touaregs et les difficultés du gouvernement à mobiliser la classe politique. Les groupes armés affiliés à Al-Qaïda ont par ailleurs profité du vide sécuritaire et intensifié les attaques.